21h minuit sur Énergie, en podcast sur énergie.fr. Bon, on va vite rappeler Amélie là avant qu'elle fasse une attaque. Bah ouais, on était sur le chéri, je t'ai fait cocu là. Dimitri ? Oui. Bon, voilà, on va la rappeler maintenant, l'Amélie, le chéri, je t'ai fait cocu, bien sûr. Okay. Elle était tendue là, hein, quand je lui ai dit que j'avais envie de la sauter. Alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Bon, allez, on la rappelle, et puis après on va lui dire que c'était une connerie, hein, parce que sinon on va y passer. Parce que là, on a été méchants ce soir. Ouais, ouais, c'est vrai, en plus on l'a fait attendre, très pauvre. Allez, c'est parti. Je vais la vénère. Allô ? Allô, bébé ? Ouais. C'est Michel. Tu peux m'appeler Mimi, hein. Comme je sais que t'aimes bien les petits pseudos là. Ouais, bah toi tu te prends pour qui à raccrocher au nez des gens là comme ça? Mais non, je t'ai dit que j'allais boire un petit truc, je devais servir enfin pas l'apéro, mais je devais servir à boire à tout le monde. Mais j'en ai rien à foutre moi de ça. L'autre il m'apprend un truc de ouf et toi tu raccroches au nez, tu vas servir le champagne. Non, c'était pas du champagne. Mais moi je me retrouve en galère toute seule là. Non, mais t'étais pas en galère, je t'ai dit que j'allais arriver, je te rappelais là, c'est ce que j'ai fait hein. Ouais bah super. De toute façon j'imagine que comme toutes les meufs tu dois regarder Secret Story là, alors ça va, t'étais pas seule. Ouais je regardais mais voilà quoi, t'as rien à foutre. Bah t'as vu hein. Elle se fout ta gueule maintenant, parce qu'on était justement en train d'en parler, elle me dit ouais, c'est vraiment de la merde hein, ce truc là. Elle a rien à foutre. Bah je le pense aussi hein. Ah ouais mais tu regardes toi. Bah ouais je galère. Ah ouais mais t'es toujours... Ouais mais tu regardes toi, pouh la honte. Pouh la honte. Eh ouais, pouh la honte. Ouais, alors là, tu voulais dire un truc ou pas? Parce que moi, j'ai pas que ça à faire, quoi. Ouais, mais t'as quoi à faire, là? T'étais en train de regarder Secret Story? Je préfère encore regarder Secret Story que parler à des connards, quoi. Tu connais tout de suite, et calme-toi, Amélie, tu sais pas qui tu parles, là. Attends, et c'est Michel qui parle, là, oh. Alors, reste calme. Ah, je fais ce que je veux, tu vois. Non, tu fais pas ce que tu veux là. J'ai été gentil jusqu'à présent là. J'ai été gentil jusqu'à présent. Alors attention. Amélie, tu sais pas à qui tu parles. Mais je m'en fous. C'est quoi? Tu crois que tu sais à qui tu parles? Moi je m'appelle Amélie et je suis pas n'importe qui, Ouais. Ouh, ça rime. Amélie, tu m'appelles Amélie et je suis pas n'importe qui. Amélie. Ouais, t'as vu, je fais des rimes sans le vouloir. C'est pas mal. Amélie, tu sais quoi? Je suis dans Secret Story. Waouh! C'est fort, hein? Je suis le peintre. Comment j'y crois trop? Non, mais c'est vrai, je suis le peintre. T'es Benjamin Castaldi. Voilà, c'est ça, moi je suis l'animateur peintre. Ah ouais, et là t'es en train de parler à la télé en même temps parler à moi. C'est parce que c'est enregistré, Amélie. Bien sûr, et marqué en direct de la maison. Non, mais ça c'est du mytho, et alors moi je peux aussi marquer en direct, hein. On s'en fout, ça c'est. Tu me crois pas? Que j'ai l'air de croire, c'est bon, c'est pas parce que je suis blonde que je suis conne. Hein. Oh, ça va. Non, Amélie, c'est vrai, je suis pas Benjamin Castaldi, je suis Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Mais alors, effectivement. Super, de mieux en mieux. Là. Oui, c'est genre, voilà, je m'attendais à ça. C'était fait exprès. Oui, je me doute bien. Non, sérieux, Amélie, c'est vrai. Benjamin Castaldi, et après, je sais pas qui. Comment ça, je sais pas qui? C'est-à-dire que Mickaël, madame. Tu as retenu le moins important. Non mais Amélie, sérieux, c'est une vanne. C'est ça. Mais parce qu'on est plusieurs. Mais oui, on est plusieurs, Amélie. C'est Dimitri, explique-lui. Oui. C'est la FM. C'est la FM, la fréquence modulée, la stéréo. Bébé. Quoi? Il faut y aller, Dimitri, maintenant. Amélie, défonce-le. Il t'a fait une sale vanne. C'était pas drôle pour toi. C'est qui là? C'est l'autre encore qui parle. Amélie, c'est une vanne. C'est la radio. C'est la radio. C'est une blague. C'est pour du rire. C'est sur Énergie, là. Quoi? C'est sur la radio Énergie. Ouais, c'est ça, c'est pas drôle. C'est une grosse connerie. Justement, je cherchais une jingle pour qu'elle nous croit. Je suis tombé sur un dossier là. Je sais pas si je peux le mettre ou pas. Ah si, vas-y, allez. C'est quoi? Fais-toi un demande à Fredo, savoir si je peux le mettre ou pas. Bah s'il est dedans, c'est que tu peux. Hein, c'est diffusable hein, à tout moment. Je sais pas. Bon, enfin, tu nous crois, Amélie, ou pas? On va d'abord l'écouter avant. Non, je l'ai écouté. Ah bon, d'accord, ok. Bon, Amélie. Ouais. Bon, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Bon, j'admets qu'on est, c'est pas celui où on a le plus ri, hein. Faut dire ce qui est. Mais pas trop énervé, en fait. Mais bon, mais c'est vrai. Quoi qu'il y ait eu quelques petites putes, pétasses, tout le bordel, hein. Mais ça va. Donc il est pas parti en Suisse, Amélie, hein. Ah non, mais c'est vrai en plus, je suis sûr. Mais oui, écoute. Ah, ce fameux jingle. Bon Amélie, donc voilà, comme ça tu nous crois, Amélie. T'inquiète, il t'a pas trompé, Dimitri. Enfin, c'est ce qu'il nous dit, après on n'en est pas certain non plus à 100%, hein, mais bon. Bon Amélie, en tout cas, et Dimitri, je vous repasse les filles au standard, vous allez gérer les cadeaux là-bas, d'accord? Ok,
Y a pas de soucis. Uh-huh. Salut tous les deux, à bientôt. Merci, à bientôt. Allez, ciao. Retrouve l'émission Sans Interdit dans son intégralité sur michael.fm ou tous les soirs dès 20h sur Énergie.